même l'épisode professionnel, des fois, bah, se fait piéger. Donc si vous sentez l'auto qui part en travers, le premier réflexe à avoir, on tape dans la pédale. Ne restez pas avec les mains comme ça sur les palettes, parce qu'à un moment donné, vous allez vous tromper, vous allez monter, vous descendre, par exemple. Surtout, remettez toujours vos deux mains sur le volant, ça, c'est important. Dans un avis. Ça tourne en rond, on ne sait pas où on est des fois. Je tremble. Non, c'est ça, rien. Ça va le faire, ça va le faire. Faut que tu sois à 2500 tours. C'est où l'embrayage? C'est à gauche, comme sur ta voiture. J'ai hâte de leur faire partager ma discipline et de leur montrer aussi les similitudes et d'essayer d'utiliser ces similitudes pour qu'ils apprennent plus vite mon sport. Accélère un peu plus, accélère, accélère, accélère. Des baquets normalement faits en mousse, et comme il est très grand, donc on est obligé de mettre jusqu'où des petites mousses. Et pour bien opérer sa position, bien faire son siège, bah, je vais tout simplement les scotcher. Mental de compétiteur, quand on est tout seul, on se concentre sur la technique et on s'applique et tout. Et c'est fou, mais il suffit de voir un point blanc devant, une voiture devant, et tout de suite le cerveau pouf, se met en mode target. On lutte vraiment contre des forces énormes, quoi, en fait. Hein. Donc c'est très physique, là, mal aux genoux, mal aux mains, et puis ça fatigue, quoi. C'est vraiment, vraiment crevant, quoi. Et puis c'est impressionnant, quoi, ça va super vite, en fait. C'est hallucinant. Ton bras droit, faudra que tu le mènes comme ça sur la coque. Ah, tu te maintiennes. Parce que le problème, quand il va braquer, hop, tu vas, ah, tu vas le gêner. Il faut pas que je lui tombe dessus. Tu vois, voilà. J'ai jamais vécu un truc comme ça, quoi. C'est... Et encore, enfin, je veux dire, là, ils ont que 360 chevaux. Sur leur vécu, ils ont, je sais pas, plus de 1000 chevaux, quoi. Je me demande comment ils font. Enfin, c'est indescriptible, quoi. C'est incroyable, voilà. J'ai pas les mots, quoi. Le premier tour, t'es un peu choqué quand même, parce que ça va vraiment très très vite. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, tu te relâches complètement, tu te détends. C'est vraiment fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ils nous ont mis en mode guerrier, mode combat. T'imagines, nous, on va chercher à les faire passer paix intérieure, sérénité. Mais c'est ça qui va être génial. C'est qu'on va leur demander de complètement rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de se relâcher complètement et de faire un effet miroir inverse. Tout l'inverse. Nous, ils nous ont mis le cœur à 2000 et on va leur descendre. J'espère justement que... Voilà, j'espère, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'espère qu'ils vont vivre un truc aussi exceptionnel que ce qu'ils nous ont fait vivre nous ici, quoi, honnêtement. Je pense que oui, hein, mais voilà, c'est sûr que c'est complètement à l'opposé, quoi. Ça commence par une expiration, très important, pas forcée, une expiration passive. On libère juste un tout petit peu d'air. On est vraiment tendu en fait, on n'a pas l'habitude que ça se passe par le bas. On respire plutôt avec le haut du corps. Et du coup, on est en train de découvrir des sensations que moi en tout cas, je n'avais jamais vécues. C'est le relâchement, le lâcher prise, l'humilité, la soumission. Ce qui est important, c'est d'accepter. Tu ne dois pas lutter. Si tu luttes, tu bloques. Si tu bloques, tu ne peux pas.
peur, un petit peu. Moi, j'avais déjà fait un peu de plongée bouteille, c'est vraiment différent. En tout cas, on a des coachs assez exceptionnels et le moindre détail compte, le moindre centimètre de placement de tête. Il faut arriver à se transcender et à complètement se laisser aller pour performer. J'ai envie de dire que c'est le meilleur élève que j'ai jamais eu. Sur son visage, ça se lit qu'il est vraiment dans son élément, très à l'aise. Voilà. Et on est tranquille, zen, pas de bruit, on se sent bien dans l'eau en fait. Y'avait Mathias au fond.